Bonjour cochon, mais je ne te veux que du bien. Oh non, tu vas pas recommencer là, ça va bien. Oh mais si, il me bute encore le con, je vais encore me retrouver à l'autre bout du monde. Bon, il faut que j'arrive à me barrer de là. Pousse-toi la bête, pousse-toi, mais putain, ils sont deux, les cons, ils vont me faire tomber dans la lave. Mais c'est pas vrai! J'en ai marre, au secours! Et des cochons fous, ils m'en veulent! Refail! Putain, je vais me retrouver à l'autre bout de la carte, au secours! J'en ai marre de nager! Est-ce que j'ai de quoi me faire un bateau? Oh, je vous jure, non, mais c'est pas vrai. Mais je veux mes affaires, moi! Bon, je veux ma jolie pièce. Ah ben non, mais... Bon, je vais essayer de me prendre un peu de bois. Au moins, il fait jour. Ah, je vous jure, c'est pas vrai. De retour au début de l'aventure, et oui, Biloulette l'Amazone perdue sur son île, seule, abandonnée de tous. Oui, elle est abandonnée de tous, et bouffée par des cochons malfaisants. J'en peux plus. Eh, mais je vais me venger sur les cochons à la maison, je vous jure. Non, je rigole, parce qu'ils m'ont rien fait, mais bon. Bon, toi, faut que je te finisse. Sinon, tu vas pas perdre tes feuilles. Voilà. Hop, hop, hop. Alors. Non, mais je vous jure. Bon, mais comment je vais pouvoir faire, moi, pour... Pour rentrer et récupérer mes affaires. Bon, bah toi, écoute, je vais te laisser là. Hein. Tiens, d'ailleurs, vous savez ce que je vais faire? Vous me donnez une minute. C'est mon point de spawn. Je vais essayer de me construire une cahute. Parce que comme ça, la prochaine fois que j'arriverai en pleine nuit, au pire, plutôt que de me faire bouffer par les araignées. Oh là 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 là. Bon bah écoutez, vous m'excusez, hein, je prends un petit peu de temps avec vous pour faire ça parce que ça me gonfle. Voilà, donc je vais juste me mettre un petit coffre. Bah écoutez, je vais faire ça peut-être sans vous parce que je pense que... Bon, j'ai encore une minute pour rester avec vous, mais après il va falloir que j'arrête la vidéo. Donc je vais me faire un petit coffre et puis je sais pas ce que je fais parce que je voudrais récupérer au moins mon armure. C'est pas un coffre d'ailleurs que je fais, c'est une petite bâtisse. J'arrive d'ailleurs plutôt par là, je crois. Bon. Bon, je vous reprends donc dans une autre vidéo suite de mes deux fails magistraux qui resteront dans les annales des aventures de notre Amazone. Enfin, jusque-là. Allez, je vous dis à plus. Bye bye. À l'abordage! À l'abordage! Oui, je vais rentrer chez moi victorieuse. De quoi? Je ne sais pas. Je me suis fait une petite maison. Ah! Je ne sais pas de quoi je vais rentrer victorieuse, mais bon. Je me suis fait une petite maison là-bas pour être sûr que tout aille bien la prochaine fois que je vais me scratcher et spawner dans le coin. Et je vais rentrer à ma maison. Maison. Tranquillement. Voilà. Eh bien écoutez, je vous récupère là-haut. Bon, on y croit. Allez. On y va, en espérant que les cochons se soient barrés et qu'il y ait encore mes affaires. C'est surtout pour ma... Comment ça s'appelle? Ma... Combinaison. Ouais, il n'y a plus rien. Oh, mais non, mais laissez-moi les bêtes, quoi. Mais casse-toi, toi, casse-toi, 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 t'es chez moi! Va-t'en! Purée! Comment je vais faire? Ça se tue pas ces machins? Bon. Je crois qu'il va falloir que j'abandonne l'idée.
Bon, on va attendre voir s'il vient et s'il y a des copains ou pas pour voir ça. Bon, je vous jure. Bon, alors sinon, vous savez que je suis allée faire pas mal de tours sur votre... J'essaye. Sur vos vidéos et tout ça. Non, non, il me laisse pas le con. Pardon. Attendez, je vous parlerai après. Oups. Ouais, tu parles, j'ai récupéré mes chaussures. Super, et deux steaks. Chouette. Bon. Oh non, tu es ses frères. Aïe! Oh là 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 là, je vous jure, bon. Oui, donc je vous disais, je suis allée voir pas mal de vos vidéos et j'ai passé des bons moments d'ailleurs pour un certain nombre. Si je peux me permettre juste de vous donner un petit conseil, faites en sorte de baisser le son de la musique et des animaux et tout ça. Moi, je suis à 26% de volume parce que en fait, c'est super difficile. Attendez. Bon, bah écoutez, je crois que je vais m'en aller parce que de toute façon, c'est dead, je récupérerai pas mes affaires. Bon, bah voilà, je suis contente. Je suis contente. Oui, donc je vous disais de baisser le son de la musique et tout ça, parce qu'en fait, bien souvent, les vidéos sont difficiles à regarder, pas pour le sujet et tout, parce qu'en fait, elles sont très intéressantes, très sympas et tout, mais bien souvent parce que vous avez des problèmes de son dessus qui fait que du coup bah, on a vachement de mal à regarder les vidéos parce qu'en fait à chaque fois qu'il y a une porte de fermée genre on perd un tympan quoi. Donc voilà, c'était le petit conseil du jour. Moi c'est un truc que j'ai remarqué justement en regardant des vidéos avant de me lancer dans les miennes. J'avais remarqué ça que c'était un vrai souci, donc j'y avais fait super attention parce qu'il y avait un gars qui avait donné le conseil dans une de ses vidéos. Donc voilà, je vous retransmets le conseil. Bon, du coup, on revient bredouille. Par contre, moi, j'étais revenu avec ça la dernière fois. 37 de Glowstone et 47 de Soulstone. Sand, pardon. Donc, bah, écoutez, on verra ce que ça va donner. Si je peux y retourner dans quelques jours ou pas. Pardon. Bon, c'est difficile. À chaque fois, je suis embêtée avec la toux, mais je suis bien malade là. Donc, voilà. Donc, alors, comme je vous le disais. On va donc faire un aquaway. Pardon, un piège à mob. On va faire un aquaway aussi d'ailleurs. Mais là, je voulais vous parler surtout du piège à mob. Donc, parce que vous vous souvenez, je veux absolument qu'on fasse des trucs avec la dynamite. Et sur le serveur, là, on récupère quasiment 64 de TNT de sulfure par jour. Donc, ça va super, super vite. Tu vas être gentil, le mouton, tu vas me laisser. Hein, parce que je viens déjà de me faire tuer, moi aussi je peux sauter, oui moi aussi je peux sauter. Je me suis fait déjà tuer par des cochons fous, alors les moutons fous c'est bon. Ah c'est toi, hein, petit monstre, oui moi aussi je sais sauter. Bon bref, donc j'ai vraiment envie d'en faire un, mais je vais essayer de l'enfouir pour pas que ce soit trop moche. Parce que sinon c'est vraiment laid. Donc voilà, et puis bah écoutez, j'ai commencé à creuser, je vais vous épargner ça parce que franchement ça n'a rien d'intéressant. Et je commencerai avec le rez-de-chaussée avec vous pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est, de comment ça se construit et tout ça. Voilà. Donc je vous ai montré mon blé. Donc je vais maintenant vous montrer ce que je compte faire de la seconde partie. Donc en fait ici, ça n'a rien à voir avec le blé, mais c'est pas grave. Je vais faire une partie sauna, jacuzzi, terrasse, qui donne donc sur un espèce de plongeoir que j'ai fait. Je pense qu'en bas je vais aménager aussi, je vais faire une petite plage avec des transats et tout ça. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai prévu de faire pour ici. Bon bah écoutez, voilà, ça va être un épisode un petit peu court. Je
Je vous reprendrai un petit peu plus tard, après notre débandade au Nether. Écoutez, il va falloir faire mieux la prochaine fois, hein. Voilà, donc je vous dis. Ah non, tiens, une autre chose que je voulais vous indiquer, parce que vous avez été nombreux à me dire que la carte était vraiment géniale. Et j'en ai trouvé une autre que vous pouvez en fait sur laquelle vous pouvez aller qui s'appelle Gargamel comme le personnage des Schtroumpfs en minuscule Gargamel donc Gargamel donc vous tapez ça dans le site de vos cartes et ça vous emmène sur une carte vraiment super avec plein de trucs volants un petit peu comme ici beaucoup de montagnes et bon le seul truc un peu bizarre c'est qu'on atterrit oh il y a une araignée en bas on atterrit dans une grotte. Donc c'est assez spécial, il faut en sortir. Et dès que vous en êtes sorti, là vous avez accès à un monde vraiment sympa. Voilà, et écoutez, je vous dis à bientôt et surtout bonne journée. Moi je suis en pleine journée Minecraftienne. Donc à plus les amis, bye bye.